Alors, Eddie, qu'est-ce que tu veux demander au... Simplement m'arranger pour certains prix de ce qui lui reste dans sa collection. Je comprends pas. Non. En gros, attends, Eddie Gambino, thune, Argent. tout plein. Ok? Méphite, artefact, tout plein. Ouais. Est-ce que tu vois ce que je veux faire? Non, je suis con, non. Oui, mais à la fois, Colonel Mephit, c'est artefact tout plein et aussi thune tout plein, donc il n'a pas vraiment besoin de picaillons, de pizzaiolo. Attends, il me semble qu'il nous a toujours pas payé depuis le tout premier, depuis la toute première fois où on l'a Oh, aidé, le colonel Muffit. je, si, c'est lui qui nous entretient en permanence. Voilà quoi. Sauf que moi, j'ai pas besoin. Toujours à être. Donc, dans la Lui. négociation, je lui ai dit que j'ai pas besoin de son argent et que je préférais te payer en artefact. Lui, il peut t'acheter ta pizzeria et en faire une table de ping-pong, quoi, franchement. Moi, si je voulais sa maison, je la raserais, quoi. Je passe un coup de fil, il n'y a plus de baraque, Ok. quoi. Donc, après, oui, mais bon, enfin, je vois ce que tu veux faire, mais c'est pas vraiment relevant, mais on pourra peut-être faire ça. On pourra s'arranger hors truc. Ok. D'accord, Donc en mais gros, c'est rappelle-moi, hein. la discussion que j'ai avec Mephit quand j'ai l'occasion d'être seul avec lui, quoi. Et donc D'accord. c'est aussi pour voir les articles qu'il a pour l'instant. D'accord, mais on pourra faire ça. On pourra faire ça, ouais. Mais on va faire ça alors en dehors des choses. Mais bon, en attendant, il te montre la pièce où il a tous ces trucs et tu reconnais effectivement pas mal de choses qui étaient dans cette espèce de donjon de l'infamie. Et il regarde un petit peu, il compare avec une liste et bon, c'est pas non plus tout, hein, ils ont juste pris des trucs qui semblaient être intéressants. Comment ils savaient ce qui était intéressant? Je n'en sais rien. Et effectivement, il y a juste le miroir qui manque. Est-ce que Conchita n'aurait pas été un petit peu narcissique? Ouais, je dis ça comme ça, mais... Ben écoutez, elle est probablement aussi narcissique qu'une jeune femme, enfin une femme d'un certain âge, comme le sien, doit l'être. Il me semblait qu'elle était jeune. Ah, vous entendez certain âge dans le sens jeune. Ok, d'accord. Oui, écoutez, bah, c'est de fait assez étrange. Je regarde un peu la serrure et j'essaye de voir de mon œil... qui n'est pas du tout expert en la matière, voir si je vois si la serrure était forcée ou pas. Non. La porte était en fait fermée à clé quand vous êtes arrivé à la maison. Elle a dû avoir une passe. Elle avait une passe, une clé de passe pour toute la maison, vu qu'elle s'occupait de tout. Mais je lui avais expressément dit de ne pas aller dans cette pièce. Et d'après ce que je sais, elle n'a pas été dans cette pièce jusqu'à tout récemment, parce que les objets sont arrivés il n'y a pas longtemps. Je rêve, vous t'ai dit pas, il n'y a pas longtemps. C'est hors sujet, on est d'accord. Il me semble que c'est important. Ce n'est pas Bon, relevant, ce n'est pas relevant. c'est pas relevant, on se moque pour un loot maniaque comme toi. C'est pas grave. Donc on va aller voir ce que les deux autres font. Est-ce qu'il y a autre chose Ben, après? en fait, on est trois Ah. autres, non? Mais je demande à Sir Sandy, mais où est donc le père? Ah, moi, j'étais fait un petit tour pour voir les vieilles du quartier pour avoir des informations C'est sympa, sur je... Enfin, moi, je veux avoir les informations sur Les enfants du quartier. les amis, les connaissances, voir qui elle peut fréquenter pour trouver un peu son cercle d'amis. Donc tu chopes la première vieille venue qui est Non, assise pas sur le les vieilles, banc. mais bon, il y a toujours deux, trois vieilles bah, qui sont peut-être plus amicales que les concierges, et puis En qui fait, c'est donneront toujours la des même. infos. C'est toujours la même. Il n'y a pas qu'une seule vieille dans le coin, quand même. C'est toujours Toujours Jean la même, Kravitz. Elle est toujours jouée par Benny Hill. Ok. Bonjour mon père. Bonjour, ma chère madame. Comment allez-vous mon père? Qu'est-ce qui vous Oh. amène dans ce coin? Non, pas très bien, vous savez, une grave histoire s'est passée dans le quartier. Oh, j'ai Et entendu ça. Là, c'est la petite Martinez, c'est ça. exactement.
Oh la pauvre, oui, j'ai vu ça. Hélas, nous ne savons pas beaucoup sur elle et nous aimerions. C'était une brave fille. Je pense qu'elle travaillait pour un des messieurs de la haute Oui, bien sûr, société. c'est un grand ami, mais vous savez, ce Ah. monsieur lui donnait beaucoup de liberté Ah. et il aimerait un peu, pour les funérailles, avoir des mots de ses amis proches pour Oh. pouvoir parler de ses amis, vous savez, un peu, c'est beaucoup de C'était choses. une gentille fille, c'était une très gentille fille. Faut pas écouter ce que la concierge disait. La concierge, c'est une vieille conne. Elle raconte toujours des méchancetés sur les jeunes filles parce qu'elle est jalouse, cette vieille. Moi, je suis vieille aussi, mais moi, je suis pas jalouse. Elle était gentille, cette fille, vous savez. Elle était gentille et elle faisait beaucoup de choses pour la paroisse. Elle faisait de la charité et puis faisait. C'était une actrice, vous savez. Elle jouait au théâtre, vous savez. Ah, de quel théâtre est-ce exactement? Oh, mais c'était des petits théâtres. C'était. Oh, ça m'échappe maintenant, mais je trouverais peut-être. Elle m'avait donné. Elle allait devoir jouer dans une pièce et. Oh, elle m'avait donné. Et puis elle chipote dans son sac et puis elle te tend un flyer du théâtre. Le théâtre. Le théâtre, merde. Mais c'est pas le Boston Theater. Non. Non, c'est pas le Boston Theater, c'est Ils un autre vont théâtre. arriver au Boston Theater, il y aurait que des beaux gosses aux cheveux noirs On va aller voir une comédie musicale gay. Ils vont se faire enrôler dedans. Ah, vous voilà, on vous attendait. Théâtre de la marque. C'est donc attends, le flyer, c'est. La compagnie de Breuer présente Le Roi en jaune au théâtre de la Marque. Ah, merci madame, je n'aurais pas pu espérer de meilleures informations comme ça. Je verrai un peu peut-être avec vous alors pour vous savez, la cérémonie pour lui rendre un grand dernier dommage quand même pour ceux qui connaissaient le mieux cette pauvre fille. Tout à fait. Alors, tu fais quoi? Alors après, Bon, je tu voulais. marches, mais. Ouais. Enfin, Bah, il est boire une quelle heure? bière. Non, il est quelle heure pour savoir un peu enfin, je sais plus ou moins situer ce théâtre. Parce que je crois que c'est Ouais, il y pareil. a des indications sur le flyer, il y a des indications et tout. Mais c'est loin à pied. C'est assez loin à pied. En fait, maintenant que tu relis un petit peu le flyer, tu te rends compte que cette pièce est en fait jouée à l'air libre, donc dans un amphithéâtre. C'est pas joué au théâtre même, mais c'est. Perte de Enfin, vue, quoi. allez. Le théâtre, il est à un endroit assez loin, mais la pièce dont parle le flyer, c'est une pièce à l'air libre, dans un amphithéâtre. Ouais, mais c'est loin. Enfin, je veux savoir un peu quelle heure il est maintenant, combien de temps il me faudrait pour aller Il est jusque-là. 4 heures de l'après-midi, tu seras pas avant la tombée de la soirée. Donc, soit le théâtre sera fermé, c'est parce que Bah, le théâtre même. il sera certainement fermé parce que les gens connaîtront la nouvelle, donc ils feront pas de représentation. Ou alors, oui, voilà quoi. Mais vu qu'ils le savent, c'est-à-dire que tout le monde sera réuni à ce moment-là, donc il faut que j'y aille. Et je peux pas aller prendre une voiture de Mephit ou peu importe, je sais pas trop comment. D'avoir aller chez Mephit alors. Et Mephit, il habite loin, lui, de là où on est? Bah oui, enfin là tu peux aller à marche-pied quoi. Mais il faudra passer par Mephit pour aller Mais chercher quoi, une. Mephit, il nous a pas attendu 2 secondes? Bah non, ils sont partis avec Eddie Gripsou là. Ok, bah je me barre chez mes filles. Ok. Les deux autres. Elle est assumée maintenant. Da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, vous avez des cheveux comme hier. Maintenant, tu peux mettre la musique de Benny si tu veux, Tom. Ça fait L'Oréal et Hardy, t'as le grand et le petit. Non, allez, continuez. Qu'est-ce que vous faites les deux? Vous allez donc au Bah, théâtre de Boston? on va se rendre au Boston Theater, hein, Ok. et on va aller voir s'il n'y a pas quelqu'un qui ressemble à la description que la concierge a faite à Sir Balthazar, ou voir quelqu'un qui connaîtrait Conchita. Alors, vous arrivez au théâtre, et bon, le théâtre, c'est le brouhaha complet parce qu'ils sont en train de préparer
une représentation du soir et il y a le directeur du théâtre qui vous accueille. Bonjour Ah monsieur, bonjour. écoutez, j'ai pas vraiment beaucoup de temps, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah écoutez, en fait c'est une affaire un petit Mmh, peu oui. triste qui nous occupe. Mais En encore? fait, on connaîtrait. Mais d'accord. Vraiment que c'est pas mal, On, j'adore Sandy qui parle. y a une femme qui fréquentait de toute évidence un de vos acteurs ou Ah quelque bon? chose de ce style-là. Et Et donc? malheureusement, cette femme a été tuée ce matin. Et donc, on venait un petit peu Attention vous. avec les lumières là-bas, et fais attention. Oui, donc une femme, oui, On avait la voudrait place. bien pouvoir rencontrer votre équipe, l'équipe qui a joué sur le piège Titanic. à souris. Le piège à souris. J'ai souri, c'est une pièce qu'on joue plus depuis 2 ans bientôt maintenant. Ah, vous sauriez par hasard me dire qui jouait dans cette pièce? La liste des gens qui jouaient dans cette pièce? Il n'y avait pas un beau jeune homme qui jouait dans cette pièce? Un beau jeune homme, oui, si, je veux dire, oui, sans doute, mais il y avait aussi des belles jeunes femmes, il y avait aussi des messieurs, une certaine censure. Écoutez, c'est du théâtre, je veux dire, tout le monde est beau dans le théâtre, n'est-ce pas? Enfin, c'est une Absolument, surprise. je vous comprends tout à fait, mais je cherche vraiment quelqu'un Non, dans. ce décor-là, il va dans ce coin-là de la scène, mais enfin, est-ce que je dois tout expliquer? Oh, Ah, oui, parce que. c'est T'es court moi, côté parce que le jardin, directeur. Tom. Parce que en plus, vous êtes non seulement directeur, si je comprends bien, mais aussi metteur Oui, en oui. scène. Mais quel Mais écoutez, homme! on Vous est un pourrez, est-ce petit qu'on pourrait théâtre. peut-être on pourrait peut-être se rencontrer quand vous serez un peu moins occupé? Oui, mais ce sera pas avant demain, alors, parce que là, on est vraiment en train de mettre les dernières touches à la pièce de ce soir, et bon, voilà quoi. Je comprends très bien Mais que je vous dérange à un moment inopportun, mais oui, c'est j'aimerais gentil. vraiment bien vous rencontrer quand vous aurez quelques minutes à nous consacrer. Écoutez, venez me voir demain, même heure, ce sera parfait. Parce qu'il n'y a pas de représentation demain. Voilà. Est-ce que ça Parfait, vous convient? vous êtes très gentil, monsieur. Merci. Et d'ailleurs, votre nom, c'est... Monsieur, alors moi c'est Claude Petitpierre, et. Oui, et votre collègue silencieux, c'est... Oh, moi je suis le Sir Balthazar Sandy, excusez-moi. Enchanté, enchanté. Vous avez un beau physique, monsieur Sandy. Sir Sandy, vous avez jamais pensé à faire du théâtre? Oh, vous me flattez? Non, je ne serai pas à l'aise sur les planches du théâtre, bien que c'est un art que j'apprécie énormément. Enfin, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas? Bon, écoutez, donc on se voit demain. J'ai une pièce à lancer, et donc voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Pile ou Au face. revoir. Bonne représentation, alors, monsieur le directeur. Merci. Alors, ensuite. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ben, j'imagine que nous n'avons plus qu'à nous rendre chez le colonel Mephit, je suppose, Sir Sandy. Très certainement, vu que nous en avons terminé avec le Boston Theater, je crois qu'il voulait nous montrer, vérifier si des pièces n'étaient pas portées manquantes de sa collection. D'ailleurs, Tom, je vais profiter Normalement, aussi tant que j'étais pendant que chez nous sommes. Bien fait, oui. Pardon? Pas tous en même temps? Non, mais c'est. Donc, en Ouais. fait, tu vois, c'est. Juste pour dire, Tom, tant que j'étais chez lui, je regardais s'il manquait pas de bouquins aussi. Chez qui? Ben, Tu avant m'effites? ton passage, il n'en manquait pas. Ben non, non, il a regardé tout, il a vérifié avec sa liste, il n'y a rien qui manque, non. Pardon. C'est vrai, c'est une bonne question, très pertinent. Sir Sandy, en fait, chemin faisant, j'aimerais vous entretenir d'une de mes inquiétudes, en fait. Visiblement, cette concetta était très appréciée du colonel Mephit et qu'il avait recueillie quand elle était visiblement orpheline au Mexique. Et je m'inquiète beaucoup pour la petite fille qu'on avait recueillie, nous autres également, lors de notre périple en Europe. Et je me dis, bah tiens, si quelqu'un se met à attaquer dans nos connaissances les orphelines qu'on a recueillies, j'ai un petit peu envie d'aller voir ce qu'il en est de notre petite protégée de Alors, vous Hope. voulez sans doute parler de la petite Myriam. Tout à fait, que j'avais vraiment pris sous mon aile, et vous aussi, je pense. Et je préférais Figurez-vous vous en qu'il l'avait parler. pris sous mon aile, effectivement. Je préférais effectivement vous en parler en dehors de notre conversation avec le père Yodel. Et j'aimerais m'assurer qu'elle va bien dans l'orphelinat où on l'avait placée.
Oh, en réalité, c'est une famille d'accueil qui l'héberge actuellement, mais nous pouvons très certainement les contacter afin de voir si elle est en bonne santé et si tout va bien. Est-ce qu'on pourrait repasser ici tout de suite parce que je m'inquiète vraiment pour elle? Nous pouvons passer chemin faisant, effectivement, pour nous y rendre. Très bonne idée. Ok, Mais pas de souci. nous n'inquiéterons évidemment pas la famille d'accueil en lui parlant de tout ça, Oh mais non, non, je vous propose même on... de passer prendre une petite friandise afin de prétexter une visite de courtoisie à la famille d'accueil. Du sucre d'orge, hein? Un petit sucette à la lime. On n'est pas comme ça, nous, hein. C'est vraiment de l'amitié, nous, hein. Il n'est pas marqué période ici. Hein. Elle s'appelle pas Annie non plus. C'est pas grave. Nous, quand on est qu'à deux, en fait, Claude Petit Pierre et moi, on n'est plus les investigateurs de l'Otule, on est les investigateurs de l'amour. Oui. Exactement. Bah, c'est le culte aussi, mais pas tout à fait, pas dans le même sens que. Non, c'est pas Les tout à fait. investigateurs de le cul. Alors, vous passez chez la famille d'accueil et Myriam, elle est là. Ah, t'entends, t'entends, ça va, je suis content de te voir. Mais bon, il n'y a S'en pas de fout, quoi. problème, elle est très bien. C'était très bien pensé, donc tu pourras mettre une étoile derrière ton truc, les feux de l'amour, ta compétence, les feux de l'amour. Non, mais ça vaut quelque chose, c'est bien d'avoir pensé à ça, donc je trouverais bien, je vais mettre un truc. Ça, c'est pas comme si on faisait des Mais GD c'est très bien parfois, quoi. pensé. Non. Mais donc en fait, c'est pas relevant. Elle va très bien. Et je vais le Tant décliner mieux avec parce que je ses voulais amis. rester assis, moi. Alors, voilà, elle va très bien, la petite Myriam, mais qu'est-ce que vous faites ensuite? Eh bien, nous sommes très contents d'avoir revu Myriam, évidemment. Et puis, Ah ouais? je pense qu'il est l'heure de prendre congé, Sir Sandy, si on va sans doute rejoindre le manoir du colonel. Oui, très certainement, je vous suis. Alors, finalement, vous vous retrouvez tous. Tu Vous l'as vous dit? retrouvez Quand il reçoit un tous. message, vous vous retrouvez tous. Dis, elle est où ta femme? Elle est là, pourquoi? Ah, ok, non, peut-être si tu montrais vers le bas, j'aurais compris. Non, non, non. Non, elle pourrait, mais non. C'est Elle enregistré pourrait. tout ça, hein, je précise. On se un peu sur le net, enfin. J'ai perdu mon fil. Ah non. Donc vous retrouvez tous chez Mefit. Et au moment où vous retrouvez chez Mefit, le téléphone sonne. Mefit va au téléphone. Allô? Molly, oui. Ah oui. Ah. Oh mon Dieu. Ah d'accord. D'accord. Regarder Alors, où est-ce que j'en suis, putain? Qu'est-ce que je dois dire déjà? Il est en train de Merci, lire le merci. script en même temps. Merci Rhett, merci Rhett, merci Rhett. Ok. Ok. D'accord. Ok. Bon, ça va. Je vais passer le message aux autres. Heures après. Voilà, mes amis. Les résultats de l'autopsie sont déjà rentrés. C'est pour le moins étrange. D'après l'inspecteur Molly, l'enlevage de la peau était post-mortem. Elle est décédée d'une crise cardiaque. Ah, c'est ça le miroir. Elle a dû trop forcer sur la cravache. Mettre ça. Et ce qui est plus inquiétant, par contre, c'est que quand on a réussi à ouvrir ses poings, parce qu'elle avait les poings raidis, il y avait un bout de massage encore dans sa poignée. Et attendez, j'ai noté ça, je vais vous le lire. Une crise cardiaque, c'est jeune, mais c'est Elle quand avait même quel âge, très lui? étonnant. N'est-ce pas? C'est très bizarre. Comment? Avec quel âge? Oh, elle avait 28 ans. J'ai noté ce qui avait marqué sur le bout de papier. C'était un bout de papier déchiré. Il y avait une partie du massage qui manquait, mais on voyait plus que ce qu'il y avait dans la paume.
Et le message dit, et je l'ai noté parce que le message il est assez bizarre. Il est plein de fautes. Yeah, mais maintenant, il faut le dire, le message. Omar m'a tué, c'est ça? Dites-le vite parce que vous allez oublier que l'on a le méfit. Une fois que vous avez le miroir, contactez-moi et je viendrai. Ne regardez pas dans le miroir, surtout la nuit. Je t'aime, petite créature exquisite. Nous serons tous célèbres. Ah, c'est pas un petit message, hein? Heureusement qu'il n'y avait qu'une partie, Elle parce avait que... des grandes paumes. Ah non, elle fait chiffonner le message, bien sûr. Bon, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pourriez nous le relire une seconde fois? Alors en fait, c'est plein de fautes d'orthographe. Une fois que vous avez avec R le miroir, contactez avec R moi et je viendrai. Ne regardez pas dans le miroir, surtout la nuit. Je t'aime, petite créature exquisite. Nous sera célèbre. C'est bizarre ce vouvoiement et ce tutoiement d'un coup là. Bon, je regarde Balthazar, je fais, on pourrait croire qu'il est étranger, c'est pas sa langue maternelle. Un petit peu de l'anglais comme ça, ils connaissent pas la différence entre le tu et le vous. Peut-être que... Non, Balthazar, ça ne vous dit rien? On est anglophone. Non, en revanche, j'essaie comme vous de décrire le profil de la personne qui a pu écrire le message. Et il y a une certaine forme de respect envers Conchita qui ne correspond pas à la description que m'en a faite le concierge en me la décrivant comme une fille, une coureuse de bas étage, une fille assez frivole. Et alors que le message ici semble être dévoué. Et plein de bonnes Ben ça, intentions. c'est normal. Allez, la concierge a souvent le rôle un peu méchant. Mais j'étais discuté un peu avec les femmes de la paroisse et apparemment, la Conchita, elle a beaucoup travaillé. Elle est une fille extrêmement appréciée. Elle a travaillé beaucoup. Elle a une très bonne réputation dans le quartier. Alors, ce n'est pas cohérent du tout avec une telle histoire. Et d'ailleurs, elle était apparemment une artiste. Je propose d'aller voir ses amis. Peut-être que c'est un de ceux-là qui a écrit ça. Oui, la Donc notion de célèbre, elle voulait faire une pièce apparemment. Je ne connais pas bien le quartier, mais c'est assez loin. C'est au théâtre de la Marque. oui, Apparemment, d'ailleurs, c'est dans une sorte d'amphithéâtre. la notion de célébrité doit sûrement faire référence au théâtre, finalement, et à cette pièce de théâtre que vous mentionnez. Mais que pouvait bien donc montrer ce... Parce que en fait, si elle est morte d'une crise cardiaque, c'est peut-être à cause de ce qu'elle aurait vu dans ce miroir. Visiblement, le message disait qu'il fallait pas regarder le message la nuit. Or, elle est quand même morte pendant la nuit. Donc peut-être qu'elle est morte en voyant quelque chose dans le miroir qui l'a effrayée de façon monumentale, ce qui pourrait expliquer une crise cardiaque à un si jeune âge. D'ailleurs, colonel, est-ce que vous aviez regardé dans le miroir ou est-ce que il était enveloppé dans du papier ou je ne sais pas? Non, le miroir était posé sur l'étagère dans la pièce forte et... J'y ai jamais eu quoi que ce soit à propos de ce miroir, je sais pas. En fait, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est comme si la personne qui lui a envoyé ce message connaissait très bien ce miroir. Vous voyez, Ouais, vous comprenez, effectivement. c'est lui qui la met en garde de ne pas regarder. Or, Effectivement. comment une personne étrangère pouvait bien connaître ce miroir, Bah, c'est peut-être un puisqu'il miroir était connu, c'est resté tout. enfermé chez vous? Peut-être simplement un miroir très connu. Et peut-être qu'il a eu vent, peut-être que Conchita lui a parlé d'un miroir bizarre qu'elle avait vu, et que le gars... Je ne sais pas, moi. Mais En tout visiblement, cas... Conchita était chargée de quand même voler ce Tout à miroir au fait. Roland. C'est vraiment ça qui est vrai, cette personne qui a écrit ce message, qui était donc destiné à Conchita, avait visiblement une emprise sur elle, Parce que qu'elle vole cet artefact pour cette personne. vu l'attachement qu'avait au colonel Mephit, qu'une personne arrive à faire voler Conchita. Tout à fait, ça devrait être une personne avec beaucoup de...
Elle était sûrement Persuasion. tombée d'amour pour cette personne. Je ne sais pas, je suis bouleversifié. Versé. Merci. Versé. Il faut vraiment qu'on retourne au théâtre, Parce que je pense, sur scène. bouleversifié, ça doit être bouleversé de façon, de beaucoup de façons différentes, parce que ça mélange entre bouleversé et diversifié. Tu vois? Donc bouleversifié, c'est intéressant, je te l'accorde, mais Merci, c'est pas merci français. maître. Merci Après, maître mais, Capello. Merci. merci professeur Rollin, merci Merci Capello. Merci Merci Monsieur Becherel. c'était la séance Monsieur Dictionnaire. Merci monsieur dictionnaire. Merci. Fais de la J'ai pub pas à l'œil aussi. la jette un 3 visiblement. Merci, merci, monsieur Grévis. Non. Je pense qu'il faut vraiment retourner non seulement au théâtre où nous sommes allés sur samedi, mais également à Périodel. Vous parlez également d'un théâtre de la Théâtre marche, c'est de ça? la marque. De la Là, marque. tu sais, c'est comme en fait elle a toute sa troupe là, c'est là qu'elle fait ses représentations. Et vu que ce soir ils avaient apparemment quelque chose, ils sont tous ses amis sont certainement réunis pour son deuil. C'est là où nous aurons le plus d'informations sur sa personnalité, sur ce qu'elle voulait faire, et peut-être Et d'ailleurs son maman qui est dans la troupe aussi, hein. peut-être c'est là que nous retrouverons effectivement la personne qui l'a fréquentée et dont la concierge vous avait parlé, cher Sandy. Oui, c'est fort possible. Nous ne perdons rien à nous y rendre et à voir de nous-mêmes. Mais dans ce cas-là, faisons vite, faisons bien. Il est quelle heure? Est-ce que nous avons le temps de nous y rendre encore ce soir, peut-être? Tom. Ça dépend à quelle heure on veut finir. Non, je rigole. Seulement 10 heures. Non, mais il y En avait heure des gens qui réelle, voulaient en heure m'arrêter réelle. plus tôt. Oui, vous pouvez encore vous rendre ce soir, tout à fait. Un avion s'écrase et tout le monde meurt. Moi, je serais d'avis qu'on y aille, effectivement. Qui m'accompagnerait? Bah, moi je vais venir parce que ces jeunes doivent être dans un état vraiment pas très bien de savoir que leur copine est morte. Je vais également vous accompagner, mon cher Claude. Je vais me rendre de nuit au petit théâtre à ouvert, l'amphithéâtre. Ben oui, mais Ok. c'est ça, tu nous Non, accompagnes, donc c'est non, ça. non, 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 non. Il y a le théâtre où le théâtre est, mais le spectacle est dans un amphithéâtre, exceptionnellement. Ouais, mais ils sont loin l'un de l'autre ou pas? Ils sont assez loin l'un de l'autre. L'amphithéâtre est en dehors de la ville. Mais c'est évidemment à l'amphithéâtre qu'il faut se rendre si c'est là que se donne le Ah non, spectacle. non, non, mais réfléchissez, si jamais ils ont allez, une grande actrice pour eux ou une amie est morte, ils vont plus vouloir rester dans un cadre intimiste et Puis de toute là où, façon, dans un endroit couvert, vu qu'ils vont pas faire la pièce. la pièce joue seulement dans une semaine. Non, mais moi je veux quand même y aller sur place, voir pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument jouer sur place. Il y a peut-être un endroit Ok. spécial, c'est peut-être, je sais pas. Ok. Et donc les trois autres, vous allez dans l'autre théâtre. Dans le théâtre-théâtre, quoi. Je pense C'est ça. qu'ils se sont réunis là-bas. Ah, mais il y a peut-être un numéro de téléphone ou. Oui, un numéro de téléphone. Bah alors téléphonons pour voir s'il y a quelqu'un qui décroche. Voilà, c'est peut-être la meilleure chose encore. Service à Allô? Oui, allô? Pointe. Allô? Ya, allô? Allô? Il y a l'autre. Disons qu'il y a beaucoup d'argent dans Théâtre ce de la truc. marque, à qui j'ai l'honneur de parler. Ah, guten Abend, ici c'est le prêtre Günther Jodl. Ah, guten Abend, mein Herr, mein Vater, ein deutscher Kompatriot? Ja, ich habe leider eine sehr schlechte Nachricht für Sie. Ja? Wissen Sie, die kleine Bon, Mexikanerin pour les autres, Conchita? c'est la pause, hein, ça va. Ja, Fräulein Martinez, ja, Fräulein Ja, die Martinez. ist, wir haben das vorher erfahren, die ist leider gestorben. Was? Ist es nicht möglich? Oh, um Gottes Willen. Bon, je vous mute, les gars, je Entendez la commence à en avoir marre triste. là. Entschuldigen Sie, On ich est bin. en train de perdre du public, hein, moi je veux le dire. Ernst Bremer, der Direktor und Schauleiter des Putain, on est tombé à Theaters deux de viewers, Marc. la merde.
Mais laissez-les terminer, merde. Vielleicht ist es besser, wenn wir persönlich zu Ihnen kommen, um die Ja, ganze bitte, Sache zu erklären. bitte. Ich erwarte Sie heute Abend. Tut mir leid, dass wir uns unter diesen Umständen kennenlernen. Ja, bitte kommen Sie. Wir kommen sofort. Danke, Entschuldigung für die danke. Nachricht. Donc, bon, Jean, c'est fini là? On va replayer, on va replayer. Alors, mon cher Periodel, qu'en est-il? Il n'était pas au courant de la situation. Et donc, je leur ai proposé d'aller au plus vite les rejoindre pour leur expliquer ce qu'il en était. Donc là, ils sont apparemment sous le choc. Et le directeur et ainsi que la secrétaire nous attendent au plus vite. Très bien. Eh bien, je crois que nous devrions nous y rendre. Avons-nous un véhicule à disposition? Oui, bien sûr. Sauf qu'elle dit, il est parti à l'amphithéâtre, n'est-ce pas? C'est ça, et j'ai mon véhicule, évidemment. Yes. Putain, il va avoir l'occasion de me tuer. Que... Fais un jet de chance. pendant que je conduis, je touche d'ailleurs mon petit médaillon en triangulaire. C'est devenu un tic nerveux. Ça fait au moins depuis des semaines que j'attends qu'il me tombe quelque chose sur la gueule, mais bon. Eddie, donc, on va commencer avec toi. Tu te rends à l'adresse indiquée par... On va en terminer avec toi. Et, tu arrives sur place et en fait, c'est un amphithéâtre à l'air libre, dans les bois, mais avec une belle vue sur la baie de Boston, comme ça... magnifique endroit, mais tout est noir, c'est la tombée de la nuit. Qu'est-ce que tu fais? Comme Conchita. Je prends ma lampe torche, déjà, avant d'allumer ma lampe torche, j'essaye de m'habituer déjà au noir, et j'essaie de me balader un peu dans les sous-bois autour de l'amphithéâtre pour essayer de repérer quelque chose, voir s'il y a des gens, si j'entends des voix. Oui, mais ça fait longtemps que tu entends des voix. Non, tu n'entends pas de voix, d'ailleurs c'est complètement vide, mais tu vois qu'il y a déjà des préparations pour ce qui s'annonce un spectacle, donc il y a déjà des groupes électrogènes qui sont en place, comment dire, tu vois que c'est l'endroit a été balayé, il y a déjà des... Ah purée, prenez ma gratte, excusez-moi. Il y a déjà les décors... Donc tout est prêt pour un spectacle, mais voilà quoi. Donc c'était pas dans une semaine, le spectacle aura lieu demain, enfin le lendemain quoi. Ok, ben, j'essaie d'explorer plus en détail, voir si dans les coulisses, il y a des coulisses, voir s'il y a, je sais jamais, il y a peut-être un endroit à l'intérieur de l'amphithéâtre en lui-même. Non, il n'y a pas vraiment des choses. Par contre, fais un peu un chien en écouter s'il te plaît. Mais oui! Très bien. Il te semble que tu entends comme un bourdonnement, ce qui est encore plus. C'est un bourdonnement qui pourrait être un bourdonnement d'une génératrice ou un truc comme ça, mais ça a une quantité organique. C'est quand même, tu as une sensation que c'est quelque chose d'organique qui fait ce bourdonnement, mais tu sais pas vraiment placer où c'est. Ça semble devenir autour de ta tête comme ça. Et tu entends un tout petit peu, tu as l'impression d'entendre un ricanement et puis le bourdonnement s'éloigne. Qu'est-ce que tu fais? Je me souviens tu plus. Dans ton froc. Quand on avait été voir. Je sais plus, les deux gays, parce qu'au moins il y en avait voté voir deux gays, donc qui s'étaient fait tuer, les deux. Ouais. Il me semble que j'avais entendu un truc comme ça aussi. Je sais plus s'il y avait un bourdonnement. C'est pas ce bourdonnement, une espèce de petit battement d'aile. Ici, c'est vraiment un bourdonnement. Et le ricanement, c'est pas du tout le ricanement que tu entendais là-bas. D'ailleurs, tu sais pas si c'était un ricanement. T'as l'impression que c'est ricanement, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être un sifflement,
Mais c'est dans ton esprit que ça ressemble plus à un ricanement, mais ça pourrait pas autre chose. C'est pas du tout le même bruit que tu entendais chez les guets avec les chauves-souris et le démon chauve-souris. C'est encore autre chose. J'allume ma lampe torche Ouais. et je regarde vite fait autour de moi en l'air et autour de moi j'éclaire un peu tout, voir si je vois quelque Rien. chose. Rien du tout. Que dalle. Tu vois juste les décors, les strapontins. Il n'y a pas une génératrice, enfin je veux dire un générateur pour allumer. Si, là. Si, 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 mais il est sous verrou. Et il n'est pas allumé. Non. Ok, je reste sur mes gardes, mais je laisse ma lampe torche allumée, mais je continue à attendre, voir si j'entends de nouveau quelque chose ou si je vois quelque chose. Voilà. Voilà. J'attends 1 heure et puis je repars. D'accord, et tu vas où? Je vais voir. Je vais me rendre quand même là où il y a l'autre théâtre, enfin là où Ah les oui, autres se rassemblent. quand tu viendras plus tard, tu vas louper ce qui se passe, donc Bon, enfin, c'est c'est pas possible, mais grave. bon, par réflexe j'y vais, donc pas par réflexe, mais. D'accord. Donc en fait, tu vas tomber sur les autres quand ils sortiront. Ok. Il est 22 h, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite pause ou pas?